Vous rappelez quoi? Comment? Bon, c'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Donc, il y a 2 semaines, on avait expliqué le sens des 28 années que Yaakov Avinu avait donné à David Ameller. On a expliqué que c'est la gematria de Koach, etc., que Yaakov s'était mis d'Atara Hamim, la pitié, etc., etc. D'accord? Et donc, et on avait amené le sujet de Abeata Igdalna Koach Adma, que c'était bon. Gégé, c'est toi qui admets, moi je peux, moi j'ai pas la main là. Allô? C'est bon, c'est moi qui admets, c'est bon, vas-y, continue. Ok. Donc, on est à là, Yosef, Nathan et David, Lamed Zaïm Shana. Donc, Yosef, lui, il a donné à David 37 ans. Donc, quel est le sens de ces 37 ans? Ou Esser Sefirot, ça correspond aux 10 Sefirot. Comment c'est possible? Qui Gimel Rishonot, Nikraot Lamed. Parce que les trois premières Sefirot, c'est-à-dire Chochma Binadat, comptent pour 30. Pourquoi? Les filles chez Kolachat, parce que chacune des sphirotes, Kolachat Mehem, Kaloul, parce que chacune des sphirotes contient les 10 autres. Donc dans Chochma, il y a Chochma, Bina, Da'at, Tressek, Gevura, etc., jusqu'à Malchou, dans Bina, même chose, etc. Donc ça fait 3 fois 10, 30. D'accord? Des Aïnta Nikraim, Shiva. Par contre, les sept sentiments, donc les trois premières sphirotes qui sont les trois sphirotes intellectuelles, Chochma, Bina, Va'Da'at, on compte tous les détails des sphirotes, et comme il y a 10 sphirotes dans chacune de ces trois-là, ça fait 30. Par contre, les sept sphirotes qui restent, qui sont les sphirotes émotionnelles ou sentimentales, qui commencent à Chesed, elles ne sont pas comptées avec ce qu'elles contiennent. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, les Zayin Tatayin, les sept sphirotes inférieures à partir de Chesed, Nikrati, Krayin, Zayin, elles sont appelées sept. Basoar, comme c'est expliqué dans le Zohar, Bepirush, Vayiyu, Sara, Meashana, Prinat Keter, Veesrim Shana, Avahem, Shekol Echad, Kalul, Meeser, Tatayin. On voit la même chose dans le Zohar. Le Zohar nous dit pourquoi Sarah a vécu 127 ans. Parce que 100, ça correspond à 10 fois 10. Et ça, c'est le niveau de Keter. Et on va arriver à ça. D'accord. Vesrim Shana et les 20, ça correspond à Avahem, c'est-à-dire Chochma et Bina. Chez Kol Echad Kalul Meeser. Et chacune de ces sphirotes, Chochma et Bina, contient 10. Donc ça fait 20. Vesheva Shani, même chez Zahin Tataïn, et les 7 ans correspondent aux 7 sentiments. Alors, on va voir après. Donc Keter ne contient pas seulement les 10 sphirotes, mais contient les 10 sphirotes qui contiennent eux-mêmes les 10 sphirotes. D'accord? Par contre, Chochma et Bina, chacune d'elles ne contient que 10 sphirotes. C'est pour ça que ça fait 120 et les 7 sentiments qui sont jamais, qui ne contiennent pas les autres sphirotes, donc elles sont comptées pour 7. Alors là-dedans, par rapport à ce qu'on a dit nous tout à l'heure, on a perdu Da'at. Parce que tout à l'heure, on avait 30, c'était Chochma, Bina et Da'at. Alors que le Zohar ne compte que Chochma, Bina et il compte Keter. Alors, là, on arrive à une chose très connue, enfin une discussion entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de discussion dans la Kabbalah, une discussion entre le Ramak et le Harizal. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, le Ramak compte Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, jusqu'à Malchut. C'est la façon dont on compte dans Chassidut Chabad. D'accord? Par contre, le Harizal, lui, supprime Da'at. Il compte à partir de Keter. Il inclut Keter dans les Sfirot. Donc c'est Keter,
précède Gvoura, Chorma Bina, pardon, il saute Da'at et après il continue comme le Ramak, précède Gvoura jusqu'à Malchut. Et vous voyez que cette configuration, c'est celle du Zohar, puisque le Zohar compte Keter qui fait 100, Chorma Bina qui font 20 et les 7 Sfirot inférieures qui comptent pour 7. D'accord ? Vechachu Inyan, la mezzanine de Yosef. Alors, pourquoi Keter compte 100? Parce que Keter représente un niveau transcendant. Et c'est pour ça que le Arizal d'ailleurs supprime Da'at, parce que Da'at, c'est la projection de Keter dans le Seder Hishtashlut. Donc il ne le compte pas, et il compte Keter à la place. Donc Keter étant la transcendante, la transcendance, il contient tout en lui. Et c'est pour ça que les sphirotes sont redoublées dans Keter. Et donc, on compte, il y a 10 sphirotes qui elles-mêmes contiennent 10 sphirotes. C'est pour ça que c'est 100. Parce que justement, le 100 montre, quand on redouble deux fois, c'est pour montrer que ça se fait à l'infini. Et ça montre le caractère illimité de Keter. C'est pour ça qu'il y en a 100 dans Keter. Par contre, dans Chorma et Bina, qui sont des sphirotes de Seder Hishtashlut, qui sont dans Seder Hishtashlut, donc qui sont limitées, elles ne contiennent que les 10 sphirotes. D'accord ? Dans cette configuration. On a expliqué qu'en fait, chaque sphira contient toutes les autres sphirotes à l'infini, mais là, c'est dans leur définition première. OK. Et donc, il dit « Vechen ou Inyan, la mezzain de Yosef ». Il en va de même pour les 37 ans de Yosef. « Shagil mel rishonot nikraot lamed ». Parce que les trois premières sphirot, « Chochma binadat » comptent pour 30. « Vezain tatayin em seva siva kemisparan ». Par contre, les 7 inférieures sont 7 telles qu'elles sont. Il n'y a pas de redoublement. « Ach » Léavin Maouinian Gimel Rishonot, chez Nathan Yosef et David. Donc maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les trois premières sphirotes que Yosef a donné à David. Allo, Adam Arishon Antanbo, Imadrigato, Sheuprinata Chochma. N'est-ce pas que Adam Arishon a donné de son niveau-là, et on avait dit qu'Adam Arishon correspond au niveau de Chochma. D'accord? Et il lui avait donné 70 ans. On avait dit que 70 ans, c'est les 7 sphirotes multipliés par les 10 sphirotes. D'accord ? Et là, il les a donnés dans Chorma. Donc, quel rapport avec, quelle différence avec Yosef qui a donné 3 sphirotes multipliés par 10 ? Donc, vous voyez qu'il y a une complétude là. Adam Arishon, 70, c'est les 7 multipliés par 10. Et dans Yosef, il y a les 3 multipliés par 10. On va voir. Achainyan, qui n'est pas le yesh leil, chez yesh nemide minam shachot, achorma bemalchut. On a expliqué plus haut qu'il y a deux façons d'amener le niveau de chorma dans le niveau de malchut. Aleph, la première façon, y achorma ila. Le premier, c'est Chochma Ila, c'est le Chochma d'Atsil. Bet, à Chochma Shebe Midot. La deuxième façon, c'est la Chochma qui est dans les sentiments. Qui naît, parce que, à Chochma Shebe Midot, y er liot anagat aolamot, ver yiem shachat a chesed ou adin ou a rahmanut. Parce que la Chochma qu'il y a dans les sentiments, c'est simplement pour savoir comment on va mener les mondes, d'accord, on va gérer les mondes, et comment on va apporter Chesed, ou le Din, ou Gvura, etc., ou la Rahmanout dans le monde. Ça, c'est Chorma Shebemidosh. On l'avait vu la dernière fois, mais bon, je vous le rappelle. C'est très simplement que pour, par exemple, quand un juge va juger, il va acquitter ou il va punir, bien, il faut auparavant qu'il y ait une analyse des faits et comparer les faits à ce que demande la loi. Donc, il y a un niveau de chorma, il y a un niveau intellectuel
qui va gérer la sentence, qui va aboutir soit à une bonté, soit à de la pitié, soit à de la rigueur. D'accord ? Donc il dit, c'est ça, Chochma de Shelumidot, c'est savoir comment appliquer les sphirotes au niveau du monde. D'accord ? Et donc ça, ça s'appelle le niveau intellectuel qu'il y a dans les sphirotes, dans les midot, dans les sentiments. Avala chorma d'atsilut, mais chorma il a, donc il a chorma d'atsilut, batsmuta en elle-même, il est mala, mala amigede amidot, elle est beaucoup plus haute que la notion de sentiment. Va filou iliot mouchin, vetaam l'amida, et même pour être un intellect, et donner une raison au sentiment, Léanig et Amida pour pouvoir gérer le sentiment. Et là, Iprinat Chorma Asmi. Mais c'est le niveau de Chorma Asmi, c'est-à-dire c'est l'intellect pur qui n'arrive, qui n'aboutit pas à un sentiment ou à une action. D'accord ? Si vous voulez un exemple de Chorma Asmi, il est évident que quand on parle de Chorma Asmi au niveau d'Atsilud, c'est vraiment l'archétype, la sphira de Chorma au niveau le plus haut. Mais si vous voulez un exemple de Chorma Atzmit, c'est très simple. Très simple. Prenez le mathématique. Les mathématiques, c'est une Chorma Atzmit. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du calcul et des mathématiques anciennes qui étaient faites pour comprendre et mesurer les choses. On parle des mathématiques actuelles, qui sont un simple développement intellectuel à partir d'un certain nombre d'axiomes, de choses que l'on suppose a priori, et à partir de ces choses qu'on suppose a priori, eh bien on va construire tout un raisonnement qui n'a en général pas d'application. C'est-à-dire que si on a de la chance, quelques dizaines d'années après, on va trouver une application à ces choses-là. Par exemple, il y a les polynômes orthogonaux qui ont été trouvés 2 siècles avant d'avoir une application. Pour vous donner, quand ils ont été construits, ce n'était pas du tout pour une application, pour mesurer quoi que ce soit. C'était simplement un défi. Vous savez, c'était à l'époque où c'était des nobles qui faisaient des mathématiques. C'était des gens très intelligents qui n'avaient rien à faire. Et pour eux, faire des mathématiques, c'était un jeu. Donc, ils se lançaient des défis. Ils disaient, est-ce que vous pouvez construire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il y a eu un défi qui a été lancé, qui était de construire des polynômes orthogonaux par rapport à un certain produit scalaire. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est la chorma pour la chorma. Ce qu'on appelle, c'est un exemple de chorma à ce. C'est-à-dire, c'est la réflexion qui n'a pas d'application. On réfléchit par plaisir, enfin, on réfléchit parce qu'on veut construire quelque chose d'intellectuel. D'accord ? Donc, par rapport à cet exemple, on peut comprendre que ce que veut dire la différence entre Chorma d'Atsilut et le Chorma qui s'était dans les Midot. Chorma d'Atsilut, c'est une théorie pure. D'accord ? C'est Chorma à l'état pur. Par contre, Chorma chez les Midot, c'est une chorma appliquée. Tout le but de la chorma, c'est de savoir comment appliquer les midot. Est-ce qu'on va être rigoureux, est-ce qu'on va être bon, on va être bon ou est-ce qu'on va être clément. D'accord. Ok. Ne vous inquiétez pas, la voiture a démarré. D'accord. Moi, le dérange pas, Chan. Donc, il donne un exemple ici, les matas. Chochmot sheinam nogim lamidot, comme chochmat atalmud, ou share a chochmot. On dit comme par exemple, dans ce monde-là, il donne un exemple très simple, il dit le chochmat atalmud. Quand on étudie la Gemara, eh bien, c'est un raisonnement pur. Au contraire, comme vous savez que c'est une Mishnah claire. Une Mishnah qui dit En merachamim badin. Quand il s'agit de voir la halakha, on ne tient pas compte de la pitié ou de quoi que ce soit.
le raisonnement qui est dans la Gemara, c'est un raisonnement à l'état pur, qui n'est pas tourné vers les midot, on ne voit pas la situation de la personne, si on, etc. Après, quand on a un juge, le juge va juger avec un chorma qui est dans les midot. Mais chorma Talmud, il dit c'est quelque chose qui est à l'état pur. Il dit le char à chorma, et toutes les théories sont des théories qui sont des chorma à l'état pur, qui n'ont pas d'application. Ok. Et je trouve que les mathématiques, c'est le meilleur exemple. Un instant. Moi 100 euros. Ok. Je m'excuse de ce petit intermède. Ok. Moi, chez Gadon Bassido, et Pérouche Bama Zoa, Lata des Nîmes, mais Kadosh et Bevarachat et Mort, Ayensha. Il connaît cette identité dans la question de voir, je ne sais pas, il faut voir là. Bon, il dit Ayensha, Mio, Inyan, Kodesh, Mila, Bekarnon. Oui, là-bas, il parle de Kodesh. Kodesh, c'est quelque chose en lui-même. C'est-à-dire que quand on parle de Kodesh, c'est quelque chose qui est au-dessus du reste. Donc, c'est le niveau, c'est un petit peu la même idée. L'idée de la Chochma pure, qui n'a pas d'application. Béiné, Prinat Malchut, M'shachim Gamken, Mishte Mine Chochmet. Dans le niveau de Malchut, on attire aussi deux sortes de Chochmet. Mishte Mine Chochmet, Elou, Yosef, Shemine Chochmet, Elou, deux sortes de sept Chochmet. Yosef a Mashpia, mais tu n'as ta Chokma chez lui. D'accord. Il y a Yosef qui va prodiguer à partir de la Chokma chez lui. D'accord. Dainu, Yot Prinata Chokma de Malchut, Dainu de Tamilkha. C'est-à-dire que Chokma arrive jusqu'au niveau de Malchut, de la royauté, d'accord, pour diriger la royauté, c'est-à-dire pour savoir comment diriger le pays. D'accord ? Bechokhma. Non. Ok. J'ai perdu la ligne. Oui. Donc, Gaïnou, Lyot, Prina, Zamal, Koutlaniga, Abechokma, Lashbia, Lechol, Echad, Kefi, Mosgo, Misgo, Utrunato. C'est-à-dire de donner à chacun selon son niveau. Vélo, Léossi, Vélo, Ligroa, de ni rajouter ni enlever. Et c'est ça qu'on appelle le niveau de Chochma inférieur. D'accord. Chochma inférieur qui est la Chochma qui est au niveau des sentiments comme on l'a dit. Aval, Adam Arishon. Mais par contre, Adam Arishon, chez Shorchom et Chochma Ilia, dont la racine provenait de Chochma supérieur, c'est-à-dire de Chochma d'Atsmi, à Mashviabo, Atsmiut à Chochma, chez Inon Ogeal Amidokal, dans lequel donc était l'essence de la Chochma
qui n'est pas du tout lié avec les sentiments. D'accord ? Donc, c'est toute la différence qu'il y a entre ce qu'a donné Adam Harishon à David Ameller et Yosef à David Ameller. Adam Harishon lui a donné la chorma de la royauté à l'état pur, pas la chorma qui vient dans les sentiments. Par contre, Yosef a prodigué à David Ameller la chorma qui vient dans les sentiments et qui se prend pour gérer, qui rentre pour gérer justement les sentiments. Alors pourquoi 70 ans ? On avait vu précédemment, alors je ne me rappelle plus, on avait vu pourquoi Adam Harishon il avait donné 70 ans. Je ne me rappelle plus. C'est vrai qu'a priori, on devrait dire le contraire, parce que Adam Harishon, c'est 7 fois 10, donc c'est les sentiments qui sont prédominants, puisque c'est les 7 sentiments qu'on vient de 10, alors qu'au niveau de Yosef, c'est 3 fois 10. Mais en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que quand on a 3 fois 10, ça veut dire que la chorma est dirigée vers les sphirotes. La chorma sert aux sphirotes, elle contient les sphirotes. Par contre, quand tu dis 7 fois 10, les sphirotes en elles-mêmes sont déconnectées de la chorma. Il n'y a pas de inyan de chorma. Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. On avait parlé de ce sujet-là. OK. Ou le fils chez Yosef ou à Shalit Anaret. Et puisque Yosef, c'est lui qui dominait la terre de l'Égypte, d'accord, Shaya a Majbir Khoulé, et c'est lui qui donnait à manger à toute la terre d'Égypte, le Chéach Nathan ou Beïchoud, Mikol Aesser Sphirot et David, Shéou Prinat Malchout, Gimel Rishonot, c'est pour ça qu'il a donné en particulier de tous les 10 sphirotes, c'est-à-dire il a donné 10 sphirotes à David, contrairement à Adam Harishon qui n'a donné que les 7 sphirotes, d'accord. Chez où Prinat Malchut. Donc David, c'est le niveau de Malchut. Il a donné les Gimel Rishonot, les 3 premières sphirotes, telles qu'elles viennent se révéler, les 3 premières telles qu'elles viennent dans les sentiments, Vegam Zain Tataïn, et aussi les 7 sentiments à l'état pur, chez N.N. Lamed Zain Shana, qui correspondent aux 37 ans. Et vous voyez, et c'est Dafka lié avec David Ameller, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que pourquoi David Ameller, il a eu la royauté à tout jamais, parce que la royauté de David Ameller était différente de toutes les royautés. Vous vous rappelez ? C'est que David Ameller n'était pas simplement un roi dans le fait qu'il était au-dessus du peuple, mais c'était un droit qui était Prinat Malchut, Malchut au centre de la Sphira de Malchut, qui faisait descendre sa royauté pour pouvoir donner au peuple ce dont il avait besoin. Et donc là, on comprend mieux ce sujet-là avec les 37 ans de Yosef. Les 37 ans de Yosef, comme on l'a expliqué, c'est Prinat Malchut, c'est les trois forces intellectuelles telles qu'elles sont dans les sphirotes. C'est pour ça que ça forme 30, le nombre 30, plus les 16 sphirotes elles-mêmes. Donc, c'est vraiment la descente jusqu'au niveau de Malchut, au niveau le plus bas de Malchut, c'est-à-dire la royauté telle qu'elle est là pour s'occuper du pays et s'occuper de son peuple. D'accord ? Donc ça, on avait dit, c'était toute la différence entre la royauté de David et la royauté des autres
des autres rois. Je pense que, comme c'est un nouveau paragraphe, il est 36, on va arrêter là. Désolé, bon, c'est un peu écourté. Mais j'ai pas. Normalement, j'aurais pas dû le faire court, mais comme on a eu beaucoup de trous, j'ai tenu à faire court ce soir. Donc, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, ce sera le 2 Av. On continuera avec la royauté. Et on espère que cette notion de royauté fera que le mois de Av sera la révélation de la royauté de Mashiach et que, comme c'est écrit dans le Nar, que le Tisha B'Av se transformera en un jour de fête et de joie dans le troisième Beit HaMikdash. Voilà, je suis désolé d'avoir écourté le cours. Shavuot Tov et Bezrat Hashem, dimanche prochain.